parents. Ben c'est aujourd'hui que vous allez être enfin débarrassé de moi. Non, dis pas ça. Moi qui ai déjà le cœur serré. Allons, maman, allons. Pas d'attendrissement. Hein, de quoi on aurait l'air, surtout à notre âge. Puis j'ai pas toujours été un cadeau. Hein. Justement. Depuis un bon bout de temps, tu es devenu bien agréable à vivre. Même que cet été, tu nous as donné un bon coup de main au cerf. Alors dis-toi donc, ma femme, que ta fille va avoir une vie plus normale. Hey, c'est ça qui l'a aidé pendant ces mois-là, là, à supporter ses vieux parents. Oh, papa, c'est moi qui vous remercie de m'avoir supporté pendant si longtemps. Mais dis-toi bien que si j'ai été plus fine depuis quelque temps, c'est parce que Frédéric me rendait heureux. Bon, quelle heure il est donc, là? Ben, 10h20. Oui, oh là, je tourne en rond depuis que je suis levée, moi. Je range, je dérange, toutes mes valises sont prêtes. C'est bien dommage qu'il fasse encore si froid. L'été, c'est si beau, les chutes Niagara. Oui. On aurait pu remettre ce voyage-là plus tard, mais... L'été, il y a beaucoup d'ouvrages sur la ferme pour Frédéric, et puis... Moi, avec mes vacances de Pâques, là, ça tombait juste à point. Oh, le voyage de noces, c'est une bonne tradition, ça. L'idée d'être quelque temps tout seul, loin de la routine. Ah. Ouais, ben tant qu'à faire les choses sérieusement, hein. On se paye tout le kit. Puis vous avez donc raison. Moi, je gage là, que ce mariage-là, ça va être une réussite. Moi aussi, je sens ça, papa. Oh, tu m'as toujours encouragé, toi. Mais je sens aussi que ma bonne maman a moins confiance et s'inquiète. Que veux-tu? Pourtant, je souhaite profondément ton bonheur, ma fille. Mais c'est peut-être que les échecs matrimoniaux de tes sœurs m'ont un peu déformé les idées. Ben, je vais tenter de te rassurer, tiens. Bien sûr, pas plus que toi, je peux prévenir l'avenir. Mais si on m'avait dit il y a un an que j'épouserais Frédéric à l'église, j'aurais bien ri. Non, mais c'est vrai, tu sais, j'aurais ri. J'aurais répondu que j'étais pas folle à lier. C'est pour ça que je te comprends, maman. Et pourtant, j'estime Frédéric. Je connais son grand cœur. Mais c'est la différence d'éducation qui t'effraie. Hein? Et il y a de quoi. Comment? Moi, un professeur, depuis toujours, qui a passé une grande partie de sa vie à lire et à voyager, voilà que je m'amourage d'un grand bonhomme qui a presque pas d'instruction. Ah, oh, oui, mais c'est le cœur qui compte. Oui, papa, bien sûr, mais... Mais c'est ça que je veux vous dire. Frédéric a pas que du cœur. Il a une sorte de noblesse. Vous savez, cette noblesse des gens qui vivent proches de la nature. Puis, ils n'ont pas grand-chose à eux, mais ils sont toujours prêts à donner le peu qu'ils ont. Il y en a qui peuvent penser qu'un homme est vulgaire parce que son langage n'est pas châtié. Mais si vous connaissiez l'esprit de Frédéric, c'est un mélange d'humour et de pureté. Ce qu'il sait, là, il ne l'a pas appris. Il l'a toujours senti. Sa bonté n'est pas recherchée, elle est spontanée. Et sa sincérité, oh, si vous connaissiez sa sincérité, est attendrissante. Il est franc comme l'or, cet homme-là. Comme tu l'aimes. Oui. C'est vrai. Et je sais aussi que je suis aimée comme peu le sont à notre époque. Tout à l'heure à l'église, il est possible que Frédéric ait l'air un peu gauche. Mais moi, maman, il y a longtemps que je sais ce qu'il est vraiment. Maintenant, je vais le voir avec tes yeux, ma grande. Tu as bien fait de me parler. Mais tu vois ton père, lui. Depuis le début, il a été plus clairvoyant que moi. Où il va, l'autobus? Là. Oui! Mets-le. L'autre côté. L'autre? Oui. Allô? Ah, oh, oui! Oh, je suis content. Oh, je suis levé depuis 6 heures. J'avais des vaccins à faire dans les environs.
Puis je pouvais pas passer si proche sans venir te serrer dans mes bras. Mmh. Ben, tu vois, je pensais justement t'embrasser comme ça. Comment? Mmh. Ouais, en m'en venant, je me disais que ce serait bon de te faire une surprise. Hein? Mmh. Oh, Hugues, on est bien tous les deux. Oh. Allô, mon Jean-François. Comment ça va? Jean-François? Allô? Dis bonjour. Ça sera pas long, je vais aller le coucher. Cet après-midi, c'est le mariage de Frédéric, puis il sera pas endurable s'il fait pas son dodo. Est-ce que tu veux un café? Oh non, laisse. J'ai pas de temps. J'ai mieux profité de chaque minute pour te regarder, te caresser. Mmh. J'ai encore du travail pour la matinée, tu sais. Oh! J'aurais jamais pensé que j'avais autant besoin d'amour il y a quelque temps. Il m'arrivait de me trouver nerveuse, désagréable, agressive. Je savais pas trop pourquoi. Ou plutôt si, je m'en doutais. Mais tu comprends, pour une femme dans ma condition, il n'y avait pas d'issue. Tu peux pas faire l'amour pour faire l'amour avec n'importe qui. Pour un homme comme moi non plus. Non. Il n'est pas question de faire l'amour pour faire l'amour, Elisabeth. Non, je t'aime. Et moi, je savais pas que je pourrais encore aimer comme je t'aime. Avec toi, c'est différent. C'est autre chose. Mais c'est merveilleux. Et c'est tellement inattendu. Oui. C'est curieux comme notre amant nous retrouve tous les deux dans un même état d'esprit. Mais presque dans un même contexte. Allô, mon Jean-François. Bon, je m'occupe pas de toi. Oh, merci, mon petit oiseau. Tiens, je t'ai apporté quelque chose aussi pour aller avec. Tu as apporté quelque chose? Tu le mets dedans? Oui. C'est fun. Ah oui, je suis venu aussi pour te dire que... En soirée, c'est-à-dire à la fin de l'après-midi, je vais partir. Tu vas partir? Oui. Où? Combien de temps? Non, pas de drame, Elisabeth. Non, je pars 2 jours à Québec. Hé, tu m'en donnes beaucoup, toi, là. Ah ben, moi aussi, je vais avec toi. Ah non, voyons, Elisabeth, c'est pas possible. Non, je vais à un colloque, puis il va y avoir des réunions toute la journée. Demain, puis lundi. Ben, tu vas t'ennuyer? Ben, jamais de la vie. Ou je t'accompagnerai aux conférences, ou bien, je sais pas, moi, je m'organiserai autrement, puis on se retrouvera le soir. Hein? Ça porte sur quoi, ton colloque? Les vétérinaires? Oh non, pas du tout. Non, c'est sur l'informatique. Sur l'informatique? Eh oui. J'adore l'informatique. Ça m'intéresse depuis longtemps. Et pour mon passe-temps, par exemple. Oh! Ben, je vais à Québec, au colloque de l'informatique. Elisabeth, Jean-François. Ben Jean-François, c'est pas un problème. Je le laisse à maman ou à Jean. Il va être tout heureux, lui, de se laisser gâter et pourrir pendant 2 jours. Hein? Ben, dans ces conditions-là, Elisabeth, je passe ici en fin d'après-midi. Oui. Je viens le prendre. Oui. On se prend en route dans un petit restaurant. Oui. Non. Alors à Québec. Oh oui. Mm-hmm. Puis on ira à l'hôtel. Oh. Oh. Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai bougé d'ici, là. Oh, je suis contente. Oh, je suis tellement contente. Oui, mais... Oh, mais il y a une chose, là. Quoi? Pendant le voyage, il va falloir que tu me donnes quelques points sur l'informatique, parce que tu sais, l'informatique et moi, les Chinois, c'est à peu près pareil pour moi. Salut, pas. Hein? Il me semble que cette journée d'eau, elle finira jamais par finir. Hey, moi, je me demande, là, comment c'est qu'il y a du monde qui peut passer à travers 2 puis 3 mariages dans leur vie? Moi, j'en ai rien craint, puis c'est bien en messe. Hey, tu vois le chier tes souliers. Ils vont être assez beaux qu'on verra même pas qu'ils sont pas neufs. Puis à part ça, ton habit tout prêt, ta chemise, puis... C'est bien simple. Je suis capable de rien faire d'abord. Mais pour ça que Antoine m'a envoyé chez la bonne heure. Je n'ai plus de service. Mais là, tu vois, là, on va trouver le temps encore plus long. T'es drôle, son père. Moi, je suis assez heureux.
C'est la première fois que je vais assister à un mariage, puis c'est le mariage de mes parents. Il me semble qu'après ça, je vais avoir des vrais parents comme tout le monde. Mmh. Tu vas avoir des vrais parents si je me rends jusqu'au bout. T'as pas de garantie là-dessus. Mais ça, c'est drôle. Inquiète-toi pas, je te surveille, puis je vais te pousser dessus. Compte sur moi. Hey, c'est bien vrai, hein? T'as tout sorti ici, là, tout bien préparé. J'en ai de la chance d'avoir un gars comme toi. Si j'étais tout seul, là, je trouverais plus rien nulle part. Hey, François, penses-tu qu'il est assez beau, cet habit-là, qu'il est assez propre, hein? Mais voyons, il peut pas être sale, tu viens de l'acheter. Mais non, pour ça, je veux dire, il est assez chic. Je voudrais pas y faire honte, tu comprends? Crains pas, son père, tu vas être beau comme un cheval de 4 pièces. Un cheval de 4 pièces. Eh bien, regarde donc sa table, je vais recopier ce que tu vas dire à Miss. T'as tout bien compris, là, ce que je veux dire puis ce que je veux expliquer, hein? Oh, oui, j'ai arrangé un peu les phrases, mais c'est bien clair. Ouais. Bon. En tout cas, je dis que je regrette quasiment cette idée-là qu'on allait se parler tous les deux pendant le mariage. Pas moi. Je trouve ça beau, se dire des petits mots d'amour pendant qu'on est à l'église. Sure. Oh là là. C'est pas facile. Mais, François, t'écris bien trop petit. Comment c'est que tu veux que je lis ça, là? Énervé comme je vois l'être. Hey, son père, veux-tu bien arrêter de t'énerver de même? Je pouvais quand même pas t'écrire ça sur un carton de 3 pieds par 3 pieds. Hey. Mm. J'en sais peu d'avoir l'air épais, là. Oh. Si José se marie avec toi à l'église, c'est sûrement pas parce qu'elle te trouve épais. C'est ça que tu dois te dire. T'as peut-être bien raison, mais... On va être devant le bon Dieu tout à l'heure, là. Le bon Dieu. Qu'est-ce que tu veux que ça lui fasse que tu vas avoir l'air? Tout ce qu'il te demande, c'est d'être un bon mari. Hein? T'as peut-être bien raison. Ouais, je comprends. Mais, tu comprends, moi, je pensais jamais que je me marierais un jour. Puis là, étant donné que ça arrive, ben, on dirait qu'il faudrait que je fasse ça mieux que tout le monde. En tout cas, il faut que tu l'aimes pas pour rire, là, José, pour te mettre dans des états pareils, hein? Ouais. Ou je l'aime comme un maudit fou. Ah! Oh. Et puis? Ben, qu'est-ce que tu veux? On a dû marcher sur quelque chose de pointu, je sais pas. Mais en tout cas, le pneu est bien crevé. Oh! On avait déjà pas trop d'avance. On va arriver en retard pour le mariage. C'est épouvantable. Oh, mais lave-toi pas comme ça, il n'y a plus rien. Après tout, il s'agit de quelques minutes. Le garage est à côté. Ils sont en train de réparer la roue, puis de la changer. C'est que pour retourner chez nous, on ne peut pas prendre de char. Ça vaut même pas la peine de téléphoner à Frédéric. Mais te rends-tu compte? Il est quasiment midi. Ouais, ben on va commander un sandwich, là. Pour ça va être fait, puis on aurait pu y passer. Non, ben si au moins on était parti à l'heure. Mais tu comprends, je pouvais pas laisser la maison avec la panne d'électricité. Il fallait que je sache comment ça allait retourner, moi, cette affaire-là. Tu vois, si on était revenu, puis les tuyaux auraient été gelés, là. Parce que, comme c'est long, on peut revenir seulement que demain matin. Ouais. Il aurait fallu trouver quelqu'un pour rester à la maison à notre place. On va appeler Frédéric, hein? Bon, mais c'est correct. On va commander un sandwich. Non, puis... laisse faire. Je m'en occupe, moi. Là. Va téléphoner, dépêche-toi. Les passes, on dirait qu'à chaque mois, les frais augmentent. Ah, c'est vrai que ça augmente. C'est les bénéfices qui changent pas. Ouais. Ah, tu sais, ce qui nous a permis d'arriver comme il faut cette année, là, c'est la vente des jeunes vaches de race à l'automne. Ah, c'est pour ça là, que Joseph et moi, on a décidé à diversifier l'élevage, à faire leur production de plus en plus. T'as raison. Tiens, tout ça, c'est des chèques à faire. Dis donc. J'ai pas vu Frédéric un matin, il n'est pas passé par ici. Comme on le connaît, il doit être joliment énervé. Comme tu dis. Il était assez énervé que je l'ai renvoyé chez eux. Il est en train de me raconter toute la cérémonie de cet après-midi. Dis donc, savais-tu ça, toi, qu'il paraît que les mariages, ça se fait différemment, c'est-à-dire? Hein? Ah oui, il va parler à sa femme va y parler pendant que le prêtre va bénir le mariage. Qu'est-ce que tu dis là? C'est comme je t'explique. Il a même préparé un speech. Mais j'espère qu'il va être capable de le faire, son petit speech. Il sera pas trop gêné. Non, je sais bien que moi, j'aurais jamais pu.
Mais ça a l'air que même ben énervé, Frédéric est décidé. Eh, c'est donc un bon garçon. Puis je souhaite qu'il soit heureux. Ça a tout l'air que ce printemps, il y a de l'amour dans l'air. Notre Joseph avec sa Jocelyne, Frédéric puis sa José. Et il y a peut-être d'autres amours, pas bien loin. Comme tu dis, oui. Ah! Elisabeth! Allô? Oh, ben excusez-moi si je vous dérange en plein travail. Non, c'est rien. Hey, j'ai un service à vous demander, Jeanne. Ah, ben bien sûr! Où est-ce que le petit Jean-François? Il est dans la voiture. J'arrête juste une minute. Oh, j'aurais aimé essayer de faire une petite caresse. Ah, ben vous inquiétez pas, vous allez pouvoir lui en faire tant que vous voudrez. Ce soir, demain soir, puis demain aussi, après-demain. Comment ça? Je vous le laisse pour 2 jours. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu t'en vas comme ça? J'ai appelé ma mère, puis elle a un gros rhume. Alors c'est vous qui héritez du garçon. Je m'en vais à Québec pour 2 jours. Je reviendrai lundi après-midi. Oh. Je m'en vais à un colloque sur l'informatique. Sur l'informatique? Ben oui, c'est à mode. Il paraît que c'est très intéressant. Ah, ben moi, je vous annonce ça comme si c'était une affaire faite. Là. Il faut quand même que vous acceptiez de prendre mon fils. Oh! Maintenant que ça, t'as pas à t'en faire. Je vais être assez contente d'avoir le petit Jean-François pour moi toute seule pendant 2 jours. Ben, je suis contente. Mais quand c'est que t'as décidé ça? Ce matin. Mais tu connais rien en informatique. Non, mais je vais apprendre. Ah. Comment est-ce que tu vas là-bas? Je pars cet après-midi en voiture. Oh, le mariage de Frédéric. Oh, j'espère que tu vas être capable d'y aller. Il serait bien fâché. Oh, ben, craignez pas, je vais y aller. Je partirai de l'hôtel. Hugues va passer me prendre. Oh. Ben oui, je vais avec lui. Lui puis tout un groupe. Il paraît que ça va être passionnant. Mais c'est une bien bonne idée, Elisabeth. Je suis bien contente pour toi. Prends congé, ça va te faire du bien. Puis t'inquiète pas du petit Jean-François. Je vais en prendre bien soin. C'est pas souvent que tu prends des vacances, hein? Ah ben non, ça, c'est vrai. Ben, merci bien tous les deux. Vous êtes toujours dépareillés, vous comprenez tout. C'est vrai que le changement, ça va me faire du bien. Vous avez pas besoin de rien au village, là, je m'en vais à l'épicerie. Non, merci, j'en arrive. Bon, ben alors à tout à l'heure. C'est ça. Merci encore. Hein? Bye. 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 La vie passe. Hein? Ça fait déjà quelque temps qu'on voyait ça venir, hein, mon homme? Oui. Mais voyons, Frédéric, calme-toi. Oui. Mais oui, c'est d'accord. À tout à l'heure. Hé, qu'est-ce qu'il dit? De pas partir tout de suite, ses parents sont pas encore arrivés. Oh, j'espère qu'ils n'ont pas eu d'accident. Oh, ça serait vraiment pas de chance. Oh, mais non, il ne peut pas être arrivé d'accident. Voyons, Frédéric aurait été prévenu tout de suite par la police. C'est plutôt qu'à cet ainsi de l'année, les routes sont pas bonnes. Oui. Puis ça a mis plus de temps qu'il pensait. Oui, mais c'est pas drôle, ça. Frédéric est assez nerveux comme ça, d'avance. Vous l'avez pas entendu parler au téléphone? Il hurle. J'en peux plus. Le pays, il peut pas me faire ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Et tout va s'arranger, pas. J'en suis bien sûr. Il y a sûrement eu quelque chose de grave. Si c'était ça, on l'aurait su par la police. Ouais, ben. Je téléphone à Antoine. Il sera mon témoin. Attends encore un peu. Allô, Antoine? Hey, livre-là, pas! Livre-là! Hein? Mets le manteau vite! Ben, c'est correct, Antoine, c'est correct. Tout va comme il faut, c'est à l'heure. À tout à l'heure. Bon, ouais, c'est ça. Salut. Frédéric, voulez-vous avoir Josée, qui est ici présente, pour femme et légitime épouse? Oui, je le veux. Josée, voulez-vous avoir Frédéric, qui est ici présent, pour mari et légitime époux? Oui, je le veux. Si vous voulez vous avancer ici. Merci. Alors, Frédéric et Josée, donnez-vous la main droite en signe d'amour et de fidélité. Frédéric, moi, Frédéric, je te prends, toi, Josée, pour mon épouse. Moi, Frédéric, je te prends, toi, Josée, pour mon épouse. Et promets que je serai pour toi fidèle époux.
Et promets que je serai pour toi fidèle époux. Et que je serai avec toi en toute nécessité. Et que je serai avec toi en toute nécessité. Tant qu'il plaira à Dieu de nous laisser ensemble. Tant qu'il plaira à Dieu de nous laisser ensemble. Et à vous, José. Moi, José, je te prends, toi, Frédéric, pour mon époux. Moi, José, je te prends, toi, Frédéric, pour mon époux. Et promets que je serai pour toi fidèle épouse. Et promets que je serai pour toi fidèle épouse. Et que je serai avec toi en toute nécessité. Et que je serai avec toi en toute nécessité. Tant qu'il plaira à Dieu de nous laisser ensemble. Tant qu'il plaira à Dieu de nous laisser ensemble. Frédéric, si vous voulez prendre. Merci. Que le Seigneur bénisse vos alliances et vous garde tous les deux dans l'amour et la fidélité. Amen. 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 Et maintenant, embrassez-vous. Et la parole est à vous. C'est avec confiance que je me lie avec Frédéric Jacquemin, que je reconnais un homme capable de m'apporter le bonheur. Je l'estime pour sa bonté, son honnêteté, sa profonde sincérité. Je souhaite du plus profond de mon cœur être pour lui une épouse compréhensive et aimante. Je souhaite également que tous les deux nous allions ensemble jusqu'au bout de nos vies. Mais je l'ai écrit, tu comprends, c'est plus sûr. Hein? L'amour, c'est la plus belle chose que le bon Dieu a faite. Aussi, je le remercie d'avoir mis José sur mon chemin. Quand on se marie, c'est qu'on a compris qu'on s'aime assez pour vivre ensemble jusqu'à la mort. Puis je le dis à tout le monde ici, là, c'est moi qui est responsable du bonheur de mon épouse, puis je m'en vais toute fin pour ça.